Salut à tous. Vous avez été nombreux à nous demander des vidéos de la caravane et c'est chose faite. J'ai pas pu les faire avant parce que on a eu énormément de boulot. J'ai mis 2 jours à la nettoyer entièrement intérieur extérieur, à la préparer pour Charlotte. Et là, ça y est, elle est finie. Je suis parti chercher une petite chaise parce que moi, j'ai pas le droit de me mettre sur la banquette. C'est la patronne qui est sur la banquette et voilà. Donc, je la gêne. Alors du coup, je vais essayer de prendre une petite chaise. Et c'est parti. On va faire une petite présentation. Donc je vais vous présenter la caravane extérieure. Et puis, on va rentrer, on va aller voir Charlotte. A tout de suite. Alors voilà l'extérieur de la caravane. Vous pouvez apercevoir la patronne à l'intérieur. Vous voyez, on a entièrement nettoyé. Tout ça, c'était vert. J'ai tout réussi à tout avoir. Donc, il est tout bien calé et tout. Voilà. Et maintenant, on va rentrer à l'intérieur. C'est une Familic 390, ça va être 3,90 m. Voilà, toc, 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 il y a quelqu'un? Ah, excuse-moi, tu veux que je la refasse ou ça va aller? Toc toc toc, c'est bon quoi. Attends, je vais faire une belle entrée. Regardez, on va faire une belle entrée. Ta, 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 ta. Et tu mets tes chaussons, hein. Voilà. Bonjour madame. Bonjour, c'est pour quoi? C'est pour faire une visite de votre atelier. D'accord. Alors, c'est parti pour la petite visite. Ici, vous avez le bureau, donc moi je suis là. Parce qu'il faut que je garde un œil sur mes impressions. Ok? Je l'ai embauché pour faire les impressions. La patronne est là. Oui, bonjour. Elle s'occupe de tous ces petits. Petites commandes. Ces petites commandes, tout ça là, ces papiers à portée de main. Dans les meubles rangés ici. Donc, alors, vous avez par ici l'expédition avec les imprimantes en dessous, le papier qui est rangé en dessous. Voilà. Ici, on a un peu d'affaires, les habits. Là-bas, t'as quoi? Là, t'as rien. Ici. Et là, c'est quelques supports qui me restent. Ouais, il nous reste quelques supports, des plaques, des ardoises, quelques produits qui sont finis, on va dire. Tout ça. Là, nous avons les mugs qui sont finis et puis qui sont vierges aussi. Fini, ouais. Voilà. Et ici, on a la partie presse. Presse à plat pour le textile et presse à mug qui est derrière. C'est pas encore branché, je suis en train de tout faire. Là, c'est pour faire refroidir les mugs, la petite bassine d'eau. Et là, nous avons un petit showroom, si on peut dire ça comme ça, des produits que nous faisons. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, ça commence tout doucement. Et voilà, on a mis 2 jours à équiper tout ça. Regardez, j'ai mis une petite prise, on a un petit chauffage. Ne vous inquiétez pas, Charlotte n'est pas dans le froid. On a tout regardé, l'électricité, ça fonctionne. Voilà, on a une prise qui est derrière là-bas, Charlotte, pour brancher le PC. Les imprimantes sont branchées. Et je peux vous dire que ça va être bien plus pratique comme ça que dans le bus. Hein. Mais les après, il ne faut pas que tu prennes goût, parce que quand on aura peut-être un nouveau bus, ouais, tu ne pourras plus avoir autant de place quand même. Hein. Je la prendrai derrière la voiture, c'est pas grave. Tu la prendras derrière la voiture, ouais. Je te suivrai. C'est toi qui vois. Hein. Bon, par contre, il n'y a pas que ça, mais il faut bosser un peu là, par contre. Il y a des impressions à faire. Bon, moi, je vous balance les vidéos de quand on a été chercher la caravane. Du début, avec Fred, la fin, c'est ça? C'est Fred? Non, c'est Mathieu. Ah, oh, mais non, c'est Mathieu. C'est vrai, avec Mathieu. Voilà. On va vous mettre les vidéos avec Mathieu quand on a été chercher la caravane, voilà, du début, du matin, jusqu'au soir. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voilà, sachez que Charlotte est super contente. Ouais, on est vraiment à l'aise et Flash, il s'est libéré là. On lui a enlevé des cartons, des imprimantes, il en avait de partout le pauvre. Non, et puis Jérémy, il a fait ça super bien et franchement... C'est trop bien, j'ai même pas de mots, je le remercie vraiment du fond du cœur parce qu'il s'est vraiment investi à fond pour la faire et t'es trop en amour. Ah, je sais, je suis comme ça. Un peu comme toi à chaque fois quand tu me prépares quelque chose. Ah ouais, il faut en prendre soin de nos petites femmes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Flash il a retrouvé sa penderie, franchement c'est nickel. Ses gaines de chauffage et tout, ouais. Il a tout trouvé nickel. Non, parce que les imprimantes étaient dans la penderie, j'avais mis des planches pour faire une genre de meuble, mais comme ça chauffe au gaz maintenant, les imprimantes, elles chauffaient. C'est une penderie qui est chauffée pour le linge, on avait fait exprès pour les comme dans les camping-cars en fait, hein, pour sécher les vêtements, tout ça, les manteaux, comme ça vous mettez vos manteaux, ils sont bien chauds, mais les imprimantes, elles aimaient pas ça du tout. Hein, donc voilà, là ça sera beaucoup mieux, Charlotte a un petit chauffage, et on verra, peut-être qu'on fera les marchés de temps en temps avec, voilà, pour l'instant elle est comme ça, on l'a laissé au maximum d'origine, on veut pas trop la bricoler. Et au fur et à mesure, si ça fonctionne tout ça, on essaiera de la modifier pour qu'elle soit de plus en plus, pour qu'on puisse travailler de plus en plus rapidement, voilà, et qu'on soit à l'aise. Genre s'il faut enlever ça un jour pour mettre des planches, des plans de travail, pour avoir plus de place, on le fera. Pour l'instant, on la laisse comme ça et on verra ce que ça donne. Hein? Ouais, on verra, ouais. Voilà. Mais pour l'instant, c'est bien comme ça. On vous fait des gros bisous, on vous laisse et on vous balance tout de suite les vidéos. Allez.
Voilà, c'est parti. Bye bye, mettez un petit pouce, abonnez-vous. Bisous. Ciao, bisous à tous. Bande de bandits, des joyeux, des gentils bandits, hein. Attention, hein. Hein. Allez, salut les bandits. Arrête, toi, tu me filmes comme ça, je suis dans 806. Chouchou. Bah, attends, faut avoir une certaine prestance. Attends, vas-y. Je te jure, ce... Ah, la tête qu'on a. Vas-y, vas-y, vas-y. Il danse le Mia. Ah, vous n'arrivez pas à nous avoir avec les droits d'auteur. On se fait des petits morceaux. Avec le Star Flash, Laser Light, Action. Y'a un mec qui nous double. Regarde, il faut faire comme ça. Ah, merci. T'as vu comme ils m'ont regardé? Avec respect, avec classe, prestance. Tu vois, c'est ça, c'est... C'est un 806, c'est pas rien, c'est une voiture d'exception. Hein, vous savez si vous avez un 806 d'ailleurs. C'est... Voilà, c'est... Un blanc surtout. Y a pas de haut, quoi, c'est le Michael Jackson de la voiture. Et au-dessus, y a rien. C'est tout, c'est comme ça. Vous avez regardé la fessie, t'as vu? Bon, restons sérieux. On arrive dans 6 minutes. J'ai mal au bras. Pour aller chercher cette fameuse caravane atelier de Charlotte. Parce qu'on dit un poil de derrière et pas un poil à derrière. Donc je vais essayer de bien parler maintenant et de plus dire à Charlotte, dire de Charlotte. Charlotte. Merci. Voilà, tout à fait. On arrive dans 5 minutes et on vous reprend tout de suite après. On va faire comme avec le 806. On va arriver et vous allez découvrir avec nous la caravane. Si voilà. On la voit. On vous dit à tout de suite. Suite. Bande de bandits. Ah! Le souffle de la force est en moi. On est bientôt arrivé 450 mètres. Alors donc du coup concentre-toi, tiens. Oh là, c'est là, c'est à gauche, je suis en train de faire l'idiot. C'est tout de suite là là. Non, c'est pas à gauche, c'est à droite, Jérémy. Oui, à droite. Oh là là là. D'accord, on est mal barré. Rue du Mississippi. 806. Ouais. Ouais. Les enfants, ils sont aussi fous que le père. Attention, ta 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 ta, 260 mètres. Ah, j'ai mal au bras. Gendarmerie nationale, vous avez vos papiers, s'il vous plaît? Ah, c'est une arnaque qu'on nous a fait, t'as vu? Ouais, t'imagines. Ah, t'imagines, ouais. Truc de dingue. Attends. Ah, c'était là? Bah non. Bah non, tu dis n'importe quoi. Bah ouais. C'est lui qui me fait tourner là, regarde. Non, je pense qu'on va pouvoir retourner là. Ouais, je pense. T'as une petite route là. Alors, donc. C'est pas top la qualité là. Ah, il faut que je mette comme ça que j'ai un peu plus de lumière. Voilà. Tu peux reprendre. Elle va être sur notre gauche. Ça serait là-bas. Ça ne me dit rien. Vous êtes arrivé. Voilà, ça y est, on est devant la caravane, regardez. Par contre, on doit être en centre-jeu. Et puis Damien, il a oublié la clé. Ah, c'est pas Damien. C'est comment? C'est Mathieu. Mathieu, mais c'est pareil. Il a oublié la clé. Du coup, il va la rechercher. Ça va, il n'y a pas loin. J'ai l'impression que c'est une tête en l'air, lui, un peu comme moi. Il ne doit pas être le genre à retenir les prénoms du premier coup. Mathieu, est-ce que tu es une tête en l'air? Ah, ça fait en bien, tout ça. Cas, nous sommes en Bretagne et c'est la première fois qu'on vient en Bretagne et qu'il y a un soleil et qu'il de fait ouf. Beau. Fallait pas dire oui, nous on bronze en Bretagne. C'est pas vrai. Ceux qui sont en Bretagne et qui bronzent, c'est qu'ils ont été dans le sud mais ils l'ont pas dit. Parce que c'est pas possible de bronzer quand on est en Bretagne. Là, on va se faire on va se faire incendier. Non, non, on plaisante. On plaisante bien sûr. Ou pas. Par contre, franchement, nous, à chaque fois qu'on est allé en Bretagne, sérieusement, il a toujours ouais, fait moche. Et là, honnêtement, il fait regardez, hyper beau. J'ai mes lunettes de soleil catégorie 4. C'est pas pour faire regardez, semblant. Regardez, moi, je suis. Ah, ça me gêne. Ah, la Bretagne, c'est ah, ça. La vache, la Bretagne. On est à Ploermel. À Ploermel. À Ploermel. Ploermel. Et franchement, il fait hyper beau aujourd'hui. Vous voyez derrière, on a un grand ciel bleu. Et c'est la petite caravane qui est derrière. Quoi, petite? Bon, là, elle est toute belle. Là, elle est un peu sale, mais ça va. Ouais, franchement. Arrête de dire les mêmes trucs que moi. Ah, arrête. Ah, c'est tout mouillé. C'est normal, c'est la rosée. Regarde. La rosée à 15. Ça, ça va être ton atelier, Charlotte. Ouais, attends, je regarde. Je te filme, vas-y. Oh la vache, il y a du boulot. Ah bon? Attends, vas-y, je vais te filmer. Attention, je vais voir mon atelier. Ça te plaît ou ça te plaît pas? C'est la prise de 120, ça? Ah bah, mais regarde. Mais bah, ça va être pas mal, cette affaire. Oh, la fenêtre, elle est remplie d'eau, là-bas. T'as vu? Regarde là. Regarde. La fenêtre là-bas est remplie d'eau. La fenêtre là-bas. Tu vas pas. Tourne. Vas-y, tourne. La fenêtre là-bas. Oh. Elle est remplie d'eau, regarde. Ah oui, d'accord. T'as vu?
C'est parce qu'il... Ouais, ma mélique a été cassée, Mathieu. C'est Mathieu, c'est ça? Ouais, mais c'est dans le double, ça va aller. Ouais, mais on va faire un petit trou et puis c'est bon. Tu m'as fait mal, tu m'as poussé dans le gros. Alors, tu aimes bien ta caravane? Ça va être un beau petit atelier. Tu vas avoir du boulot à faire à l'intérieur. Bon, attends, moi je te l'aménage vite fait comme ça, c'est tout. Tu mets tes machines, basta. Je pensais que t'allais me dire, tu te démerdes, c'est toi qui m'as en plus, faire. Ouais, tu vas te débrouiller. C'est ça, ouais. J'ai un petit frigo, je pourrais inviter mes copines. Ah, il y a encore le frigo, excellent. Bon, on va attendre, on va vous faire voir ça quand il aura amené les clés. Mathieu. Mathieu, vraiment Mathieu, hein. Petite tête en l'air. Ça y est, les gars, ils sont en train de... Alors, Mathieu, une tête en l'air aussi? T'as une tête en l'air aussi? Ah oui, je vois qu'on est pareil alors. Ouais, c'est ça. Charlotte, elle se souvient plus de ton prénom. Ouais, j'hallucine. Mais tu verras la vidéo. Tu verras que c'est lui qui se souvenait plus de ton prénom. Tu vas être sur YouTube, c'est pas grave. C'est vrai? Non, ça te dérange? Non. Tu me dis, hein, sinon on te met pas. Hein. Là, tu lèves, je crois. Ouais, bien, t'as raison, t'as raison. Ça va bien se passer. C'est bon? Ouais, c'est bon. Damien, il faut pas mettre le frein à main quand on laisse une caravane longtemps arrêtée. Ah. Parce que ça se grippe. Ça bloque les tambours. Tu essayes les feux, vite fait, chouchou? Je vais mettre à côté. Bon, et bien, Mathieu, notre bah viens, on te voit pas, t'es dans l'ombre. Viens. Notre petit bandit. Voilà Mathieu qui nous a offert notre... Bah, c'est la première caravane, ça y est, qu'on va ramener dans le terrain. Ça va être la mienne. Ça va être la caravane atelier, franchement. Elle est... Les clés. Elle est les clés du merci bonheur. Merci bien, monsieur. Voilà. Je t'embrasse, allez, merci. Elle est vraiment propre. Merci beaucoup. Merci bien. Bah, de rien, mais puis, merci bah, à vous. Tu passes quand tu veux aussi, toujours pareil. Hein. Yes. On a parlé pas mal de petites choses, là. On a hâte de te revoir, alors du coup. Ah, oh, c'est soleil en Bretagne, c'est cool. Dis donc. Alors, est-ce que c'est vrai que les gens, ils bronzent en Bretagne? Oh non, merde, on venait de dire la chose. Parce que je suis pas un vrai breton. Moi, t'as déjà bronzé ici, non? Tu sors de chez toi? C'est peut-être ça, non? Tu trouves que je suis bronzé? Non, je te demande l'été si tu bronzes comme en France ou pas. Comme en France. Bon, pas, en fait, non. La vérité, c'est qu'il fait aussi beau en Bretagne qu'ailleurs. Il y a des bretons dans les abonnés? Ah ouais, c'est fait attention à ce que tu dis. Oh merde, bon, ça y est, je suis grillé. Nous aussi, tout à l'heure, on a dit des trucs, on est grillé. Ah ouais. On a dit qu'il faisait jamais beau, qu'il pleuvait tout le temps, tout ça. Franchement, je te dis, c'est la première fois qu'on vient en Bretagne et qu'il fait beau. Du soleil. Ah bon? À chaque fois qu'on vient en Bretagne, il pleut. Bon bah, vous seriez venu hier, il pleuvait. Voilà, je vous le dis. Ah ouais, il pleut que sur les cons en Bretagne. Voilà. Voilà. C'est ça a changé. Nous avons changé. Là, avant, il pleuvait tout le temps et plus maintenant. Ah, voilà. Ça laisse à réfléchir. Bon, en tout cas, merci bien, Mathieu. Et puis, à la prochaine. Rien, pas de souci. Allez, nous, on y va. On a de la route encore. Oui, là, c'est pas être mince à faire. Et voilà. Merci. C'est génial. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait parce que ça me faisait plaisir. Allez, voilà. À bientôt. Allez, bye bye. Salut. J'espère qu'il n'y a pas un frein de bloqué, tu vois. Non, c'est qu'il y avait une carte. Parce que Charlotte, c'est une dingue, elle. Mais non, mais je me suis dit, comme ça fait des années qu'elle est là, je me suis dit, il va peut-être falloir que je la développe. Allez, vas-y, avance. Il est beau, ce 806. Vas-y. Vas-y, avance. Bah écoute, les pneus, regarde, ça a l'air d'aller. Un bon petit, ouais, un petit coup de gonflage quand même, ça y fera du bien. Eh ben impeccable, regarde. Nickel, ça. Allez, en route. Bon, eh bien voilà. On roule, on a été regonflé les pneus. Comme il se la pète, sérieux. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. On voit pas trop derrière là. Non, on la voit pas. Vous connaissez la suite, nettoyage. Asticage, comme Théo dit, on va mettre des sambons de toilette dedans. Et puis après on fera le petit atelier à Charlotte comme il se doit, on lui mettra les meubles qu'il faut, voilà. Et là on est en train de déguster des petits sandwichs au fromage de chèvre. Et Charlotte, elle nous a fait des petits palmiers. Regardez. Ils sont trop bons. J'avais fait ça. Il y en a plus. Bah vous avez vu sur Insta, hein, j'ai fait des petits roulés au fromage, tomates et herbes de Provence, dans la pâte feuilletée. J'en ai fait double ration parce que vous avez vu la dernière fois,
On n'en avait plus pour le lendemain. Mais ouais, les petits feuilletés, ils passent bien, hein, franchement. Donc, bah nickel. Donc, j'ai hâte, on va aller nettoyer tout ça. Bon, pas ce soir, parce qu'il va être tard, donc on va faire ça tout ça demain. Compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Bon, bah ça y est, Jérémy se met tranquillement en place pour nettoyer la caravane. Ouais, ça y est. Je pensais que ça a bugué. Ça y est. Il est au taquet, Jérémy. Ah là, faut que je mette un peu de savon. Hein. Que t'en as pas mis? Non. J'ai refait ma petite potion magique avec la soude caustique. Faites très attention. Sur les plastiques de voiture, ça a tendance à sécher et laisser plein de traces blanches. Donc j'ai renettoyé derrière avec un petit savon tout simple et ça a enlevé les traces blanches. Mais faites attention quand même. Allez-y, mollo. Est-ce que ça attaque dur, hein? Ouais, ça attaque. Je vais mettre mon savon, ça va partir encore mieux. Là, je vais gratter tout ça. Oh, ça a l'air de bien partir quand même. Franchement, ça part bien. Allez, on va ranger la caravane, paysan. Hein? Mets la caravane dans le jardin. Il est pas mis. Tu le pousses en arrière. Faut que tu le pousses en arrière. Nous sommes en plein travail. L'imprimante est en train de faire son boulot. La presse est chaude. Franchement, c'est génial. Ici, il fait vraiment bon. C'est le coin des frileux ici. Moi, je suis bien là. C'est mon espace. Hop, imprimante. Et l'espace du chef qui est là-bas, la patronne, avec ses petits papiers et tout. Au moins, on se gêne pas. Franchement, c'est impeccable. Et là, je suis en train de presser ma feuille. Voilà, comme ça, elle va être bien plate. D'ailleurs, si vous avez du linge à repasser, on en fait aussi. 10 euros la manette. Par contre, on met tout dedans et on en fait en un seul coup. C'est bon ? Oui, droit d'auteur. C'est parti, mon kiki. Les dés sont lancés. Et là, c'est toujours... La pression. C'est toujours la pression parce que ça peut foirer des fois. On est tout jeune dans le métier, hein. Mais on n'a pas fait tellement d'erreurs depuis qu'on a commencé, je trouve. Ouais, on en a fait un petit peu, mais... On a fait quoi en erreur? Deux t-shirts? Ouais, t-shirts, quelques mugs... Et quelques mugs. Ouais. Je pense que ça va, hein, pour un début. On essaye du différent réglage pour être sûr que ça foire pas, tout ça. C'est pas facile. On se renseigne beaucoup aussi. Ouais, c'est pas facile du tout. On sera presque des pros. Presque. J'espère que ça va aller, que Fanfan va être content. C'est pour Fanfan. Ouais. Hop, regarde. Je commence à me mettre en place aussi, hein, parce que je connais pas encore ta boutique. Je te jure, celui-là. En plus, je suis pas payé bien cher. Il manquerait plus que ça. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Ça fume, c'est normal. Voilà. De toute beauté. Petit toutou. Il est mignon. C'est quoi ça? C'est un...
Là, je l'ai sur le bout de la langue. Ouais. C'est comme un épagnol. C'est pas un cocker, c'est... Ah, si, c'est un cocker. C'est un cocker. C'est un cocker. Bah, il est mignon comme tout. Ouais. Je suis content, il est parfait ce tapis de souris. Voilà. Impeccable. Mais Cota, Jérémy ouais, Cota. Bah ouais. Allez hop. Tu fais quoi là? Bah c'est midi, c'est la pause déjeuner. Tu prends une pause déjeuner, toi. Tu me fais peur. Tu prends une pause déjeuner. Bien sûr, à mon estomac, il va pas être content sinon. Attends. Donc là, on va manger. Ouais, on va manger. Je sais pas pourquoi, mais on va manger. Allez, c'est parti. Allez. Jérémy découpe le potimarron que Sébastien et Christine nous ont offert. Une pastèque. Une pastèque. N'empêche, ça sent la pastèque. T'as vu? Non, ça sent le melon. Mais si, je te le dis. Alors, si vous habitez pas très loin de chez nous, c'est que vous faites des potimarrons. Des potimarrons. Ça, comment on kiffe. Un velouté de potimarron. Tu te souviens? On n'arrêtait pas d'en manger ça pendant un moment. C'était trop bon. C'était excellent. Est-ce que tu te souviens? Ouais. Ah, je te vois mieux là. Oui, je me souviens. On n'en faisait pas, nous. Non, c'est quoi qu'on faisait? Non, non, non. Non, on n'en faisait pas. Oh, je sais pas, il y en a sur moi, ils épluchent pas, moi j'épluche. C'est bon? Attention? Non, arrête, c'est dangereux. C'est plutôt japonais, ça. T'as fait le milieu? Tu peux couper ça comment? T'as fait ouais, le milieu? Je vais le creuser maintenant. Ah ouais. C'est pas évident à couper ça. Oh, les grosses perles que ça! Des perles? Des pépins. Allez, bon appétit les loulous!